petite vidéo sur un gros pôle, j'ai nommé la construction. J'ai pas été trop présent ces temps-ci, car comme vous le savez, ou pas d'ailleurs, il y a eu l'ouverture des serveurs Temporis sur Dofus, et étant un grand fan de ce jeu depuis des années, je me devais de participer au rush avec ma team. Surtout que Unilife est très inspiré de cette atmosphère, même si mon jeu est un jeu 3D. Bref. Je voulais parler aujourd'hui d'un gros pôle qui est la construction. Donc ça fait plusieurs semaines que je bosse dessus. C'est déjà pour le moment la chose la plus dure que j'ai eu à faire, mais ça a été aussi très formateur. En l'occurrence, je pensais que faire en sorte que le joueur puisse construire sa base était simple. Mais j'avais pas prévu tous les soucis de blocage ou encore de décalage entre props que je devais affronter. Donc je suis encore en train de travailler dessus, je suis encore en train de peaufiner tout cela, mais j'avance quand même assez bien. Je veux absolument que sur Unilife, le système de construction de base soit le plus sympa possible. Car dans tout bon RPG, ce que aime le joueur, c'est avant tout de construire la plus belle base. J'ai fait donc en sorte que le joueur puisse construire au mieux sa base avec plusieurs props. Vous avez la possibilité infinie de moduler votre base comme vous le souhaitez. En effet, vous avez même la possibilité de pouvoir décorer votre base, chose que j'ai rarement vue dans des RPG avec un développement indé. D'ailleurs, dans la plupart des RPG, il est possible de décorer plus ou moins sa base, mais il y a des gens qui, comme moi, préfèrent aller combattre des vilains plutôt que de s'occuper de leur base. C'est pour ça que je vais faire en sorte que les joueurs qui décorent leur base au maximum soient avantagés par rapport à ceux qui ne le font pas. Vous l'aurez compris, le système de base et de création de base va être un point très important dans Unilife. L'idée que j'ai eue est que tout simplement, lorsque vous allez construire votre base, vous pourrez par exemple aménager votre intérieur avec un lit ou par exemple des tables ou des tabourets ou encore des tableaux, mais aussi des pots de fleurs. Je ferai en sorte que lorsque vous ajoutez par exemple un tableau ou une table ou toute autre décoration, que cela ajoute un buff à vos stats. C'est-à-dire, admettons que vous avez une base, vous souhaitez augmenter votre force, vous voyez qu'un marchand vend un tableau ou une table qui ajoute 5 de force. Vous devrez alors acheter ce tableau et aller disposer dans votre maison ainsi ceux qui voudront avoir les meilleures stats pour tuer du mob devront aussi avoir la meilleure base du jeu. Alors bien sûr, vous allez me dire dans ce cas-là, j'achète plein de tableaux et je deviens super fort. Avec le système actuel, certaines stats sont capées, ce qui fait que vous ne pourrez pas dépasser un certain seuil. Par la suite, je compte faire en sorte que le joueur puisse construire ses écuries lorsque j'aurai mis l'élevage, ou encore que le joueur puisse construire sa ferme et ses plantations lorsque l'agriculture sera installée. Et tout pareil, plus votre écurie sera bien aménagée, avec par exemple des fourches, des bottes de paille, de l'eau, et plus vos stats liées à l'élevage augmenteront. Ainsi, les meilleures écuries seront directement récompensées. Vous l'aurez compris, la construction va donc être un effet majeur sur mon RPG. Et j'en suis qu'aux prémices, même s'il est déjà possible de faire de super choses actuellement. Je compte bien pousser ce pôle à fond. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce et à poser des questions en commentaire. Ciao!